Regarde, aujourd'hui, les mobs sont géants. C'est juste absolument génial. Yo, c'est le capitaine, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Minecraft, mais les mobs sont géants. Tu vas kiffer, franchement, fais-moi plaisir. Si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche, c'est très important. Et bien sûr, reste jusqu'à la fin. C'est parti. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, les mobs sont géants, regarde. Alors, on est parti pour une aventure survie. Et tu vas voir qu'il y a des surprises, parce qu'évidemment, les mobs sont géants. Mais ça change des trucs. Alors, ça fait bizarre, j'avoue, c'est drôle. Ça change un petit peu d'habitude. On va aller prendre du bois pour commencer cette aventure. Et je vais t'expliquer un petit peu ce qui change maintenant que les mobs sont géants. Nous allons pouvoir fabriquer... Regarde, c'est géant aussi. Waouh. Donc je disais, nous allons pouvoir fabriquer une arme secrète. Waouh, regarde comme c'est stylé. Même les blocs sont géants, regarde. Waouh. On va prendre ça. On va pouvoir fabriquer une arme secrète grâce à ces mobs géants, tu vas voir. C'est l'objectif de la vidéo. Donc surtout, tu restes jusqu'à la fin pour ne pas manquer ça. Alors, j'ai un petit peu de bois. Hop, table craft. Hop, parfait. Bon, quand on les pose, les items sont à la bonne taille. Hein. Nous allons fabriquer, bien évidemment, la pioche des familles, mais également l'épée des familles et toujours la hache des familles. Alors, bon, tout est des familles aujourd'hui. C'est ça. Tranquillement, voilà, parfait. Alors, salut mouton. Voilà, parfait. Donne ta laine géante et ton steak géant. Donc je t'explique. Quand on tue les mobs maintenant, on a une chance très rare d'obtenir un item très spécial qui va nous permettre de fabriquer une arme de fou. Ah bah regarde, ça drop, regarde, c'est ça. Tu vois cette Pokéball là, regarde. Ça s'appelle Giant Orb. Il en faut 9. Et grâce à 9 Giant Orb, on pourra fabriquer une arme ultime. Mais il nous faut aussi du diamant, que la recette est en deux parties. Donc, aujourd'hui, on va tuer du mob pour obtenir ces orbes. C'est moi qui te le dis. Donc là, on va tuer tous les mobs, hein. Même les chevaux, on les tue pas en général. Mais là, aujourd'hui, je t'ai dit, il nous faut cet orbe. Ok, meurs s'il te plaît, cheval. Alors les mobs, ça change pas grand chose sauf qu'ils sont géants. Tu vas voir que c'est très drôle. Même les mobs hostiles sont géants. Donc quand on ira dans les mines, tu vas voir c'est très rigolo. Même les villages, on va essayer de trouver un village parce que c'est extrêmement drôle. Donc l'objectif c'est de farmer selon les mobs qu'on trouve. Voilà, donc on a pas mal de trucs, tu vois. On a encore fabriqué un petit lit, on va en profiter. Hop, il nous faut 9 Pokéballs. Bon, ça s'appelle Giant Orb. Bon, c'est un peu le même principe, non, pas vraiment. Waouh, il y a masse mob. En plus, c'est facile à trouver les mobs aujourd'hui parce que comme tu peux le voir, ils prennent la moitié de la map. Parfait, merci bien. On va jeter ça, je vais ranger le lit. Ça je vais pas garder. Allez, c'est parti. Je crois que la hache fait plus de dégâts que l'épée, hein. Bah oui, il faut utiliser la hache, hein. Salut poulet. Oh, regarde, un œuf de géant poulet. Incroyable. Bon, salut les poulets. Merci pour les items. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est devenu très facile de farmer les mobs parce que ah, regarde une deuxième orbe. Excellent. Excellent. On avance de l'objectif, ça c'est cool. Faudra également trouver du diams, hein, donc dans tous les cas. Merci s'il te plaît, cheval. Merci bien pour le cuir. Alors, étant donné que c'est une aventure survie, n'allons pas rester en bois toute notre vie, bien évidemment. N'est pas l'objectif. Alors, il y a des arbres là-bas. J'ai la flemme de casser cet arbre là parce que c'est un arbre, c'est un grand arbre, ça prend du temps. On va casser les petits arbres qui sont là-bas, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Faut absolument retrouver un village parce que c'est très drôle. Tu vas kiffer, c'est très drôle. Bon, un petit peu de bois, ça fait toujours plaisir. Avec des items géants pour changer un petit peu. Hop, voilà. Merci pour le bois supplémentaire. Il y a de la pierre à côté, on va aller en prendre, t'inquiète pas. Je prends toujours un peu plus de bois. Et comme je te disais, le bois c'est très important. Hop, j'ai pas besoin de ça en vrai. Pas grave. Ah, il y a une pomme, j'ai faim. Il y a une pomme, j'ai faim. Alors, on va manger. Bon, les graines, je t'avoue, on va pas garder. Par contre, les pousses, oui. Hop, on va penser à replanter un petit peu. Bon, il y a de la pierre ici, on va servir un petit peu. Pierre, histoire d'avoir quelques outils. C'est marrant de voir les blocs géants. Tout est géant, en fait, c'est très drôle. On va bien sûr commencer par la pioche, l'outil le plus important du jeu. Oui, parce que ça s'appelle Minecraft, hein, le jeu. Bon, il y a mine dans le mot, quoi. Il y a miner dans le mot, quoi. Donc, je pense que t'as compris pourquoi. Bon, on va fabriquer tous les outils en pierre. Comme ça, ça sera beaucoup mieux pour l'aventure. Toujours prendre plus de pierre que nécessaire pour les fours, hein. Voilà. Alors on va jeter ça, les plumes on va garder. Alors c'est parti pour quelques outils en pierre. Alors la famille outils en pierre, je veux la hache, la pelle, l'épée. Bon, pas la houe pour une fois. Voilà, bon là on est en pierre maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, donc là on tue les mobs pour obtenir les orbes, hein. Et en même temps on prépare de la bouffe pour l'expédition minage, parce qu'on va éliminer bien évidemment, je t'en doute bien. D'ailleurs quand il fera nuit, on fera exprès de pas dormir la première nuit ou pas tout de suite, histoire que tu vois ce que ça donne les mobs de nuit, genre les squelettes géants et tout, c'est très drôle. Et bon, il y a masse bouffe. Là ce qui m'intéresse avec les moutons c'est la bouffe, hein, pas leur laine, on a déjà un lit. Donc voilà, le challenge de fabriquer une arme ultime et éventuellement on verra de tuer l'Under Dragon avec. Je dis pas que l'arme va one shot, non, tu vois, c'est une surprise, tu découvriras bien. Voilà, arrête de courir. Oui, forcément, comme ils sont, quand les mobs sont géants, bah ouais, ils courent vite. Combien d'orbes? 2 orbes, ça va en vrai, hein. Pour un truc extrêmement rare, ça va. Bon, c'est pas la bouffe qui va manquer aujourd'hui. On peut taper à la hache en vrai parce que ça fait plus de dégâts, hein. Faut penser à la hache. Bon, je pense que question bouffe, on est pas mal. On va commencer à prendre un tout petit peu plus de bois et partir miner. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Nous allons partir sur une opération au minage. Voilà, de toute façon, regarde le craft. Ici, je te montre la recette, regarde, c'est ça qu'on veut crafter. Forcément, ça indique pas la recette, mais en gros, faut mettre 9 d'orbes et ça donnera une partie de l'arme ultime. Ok, les potes, j'ai pas mal farmé d'animaux, regarde, on a pas mal de bois, pas mal de bouffe. Il est temps d'aller miner. Bon, j'ai faim d'ailleurs au passage. Il est grand temps d'aller miner. On va peut-être juste vite fait poser un petit four des familles maintenant, là tout de suite, pour mettre un tout petit peu de bouffe, genre quelques steaks, genre 3 steaks par exemple, pour histoire de pouvoir manger un petit peu. D'ailleurs, j'ai farmé un petit peu les orbes, j'en ai eu 5, il en manque plus que 4 et on va pouvoir réussir notre opération. Ah voilà, je vais pouvoir manger un petit peu. Après, on va aller chercher une mine.
cuisine. Voilà, parfait. J'attends un steak de plus, comme ça on a un steak de réserve en plus. Voilà, on va attendre d'être tout faire quand même avant de ressortir de nuit. Je pense que c'est plus safe. Là, on va aller chercher une mine. Ah bah tiens, regarde, salut zombie. On parlait des mobs géants justement. Ah, du charbon, parfait. J'ai pas encore l'habitude que les items soient vraiment géants quand on les casse. Je trouve toujours ça drôle. Bon, on va prendre tous les items qui sont là. Faudra qu'on fabrique des fours rapides. D'ailleurs, au passage, ça c'est une très bonne idée. On va le faire maintenant. Hop. Voilà, des fours rapides à nourriture. Comme tu sais, j'adore les fours rapides, mais c'est extrêmement pratique également. Voilà, et on va mettre un petit peu notre bouffe dedans. Voilà. C'est rapide, on en profite. Bon, je t'explique le programme. On se met à vous le faire. Je te montre un petit peu les mobs dehors de nuit, parce que ça peut être très très drôle. Et puis, il faut qu'on rush le diamant aussi. Comme ça, on anticipe. Dès qu'on a assez d'orbes, on fabrique l'arme ultime. Tu vas voir, c'est plutôt stylé, à tel point qu'on pourra tuer l'Under Dragon très facilement. Mais ça, c'est une surprise. Reste bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer. D'ailleurs, je vais lancer un petit jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Le dernier abonné qui commente ma vidéo TikTok, ma dernière vidéo TikTok, sera invité pour le prochain TikTok. Zéro blague, hein, c'est vrai. Donc n'hésite pas à rejoindre mon TikTok et à commenter un max pour être le dernier à commenter et être invité. Tu as mon TikTok en description. Ou alors tu tapes juste mon pseudo, comme sur YouTube, sur TikTok, tu vas me trouver. Donc n'hésite pas, je compte sur toi, d'accord? Bon, est-ce qu'on a des choses intéressantes ici? Encore du charbon, mais pas beaucoup de fer. Ah, c'est bon, il y a de l'eau derrière. Prendre les blocs, toujours prendre les blocs en main. J'ai jamais vu d'eau cachée comme ça. Quoi ça? Ok, il y a de l'eau cachée derrière le mur. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. C'est plutôt original, j'avoue. Bon, il y avait une cascade derrière le mur, enfin une cascade. Un ruisseau, un cours d'eau, voilà. Alors, salut! Comment ça va? Vous galérez pas un petit peu? Ils galèrent en fait, regarde. Ah mais regarde! Ils arrivent pas à nous toucher, on est trop petits! Trop marrant. Bon, on a du fer ici, enfin j'ai envie de dire. Ah, je suis revenu autour au four rapide. Parce qu'on avait laissé des trucs dans les fours en fait. J'avais continué de miner, puis j'avais oublié les fours. Heureusement, je suis revenu. Bon, il reste un petit peu de trucs à mettre au four, mais là on est pas mal pour un moment. Bon, du coup on est de retour ici. Voilà, je disais donc qu'on avait du fer un petit peu, enfin pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Bon, il y a des trucs qui vont pas nous servir, je t'avoue. Ça, ça peut nous servir. En vrai, tu verras que non. En vrai, ça va pas nous servir, mais vas-y. C'est une surprise. Mais tu devines un petit peu le genre d'arme qu'on va avoir si je dis ça. Salut Creeper. Oh là là, eh, mais c'est marrant. Par contre, alors le squelette, autant je pense que les autres mobs, pas un problème. Autant je pense que le squelette, vu qu'il est à distance, peut-être moyen que ce soit dangereux. Beaucoup trop. Il faudra un saut pour pouvoir sauter quand c'est comme ça en fait. Je sais ce que t'allais dire. T'allais dire ta pioche va casser. Bon. Tu as raison. La pioche vient de casser. J'hésite. J'hésite. Je crois qu'on va refabriquer une pioche en pierre très rapidement, genre vraiment temporairement. J'ai envie de poser un four, mais pas ici. Tu vois, on est en hauteur, on n'est pas très bien placé. Ce qu'on va faire, c'est prendre le fer qui est là, descendre et poser les fours en bas. Ok. Normalement, comme ça. Bon, là, on devrait pas mourir. C'est bon. Bon, on va prendre tout le fer qui est ici. Je vais mettre le fer au four. Dès qu'il fait nuit, on remonte. Comme ça, je te montre un peu la nuit, même si tu vois déjà à quel point c'est drôle les mobs géants dans les cavernes. Hein. Bon, là, on va poser nos fours, on va diviser notre fer. Voilà, on est parfait. Voilà, comme ça. Dès qu'on est full fer, on remonte à l'extérieur, se fight un petit peu. Faut aussi qu'on farme les orbes manquantes, hein. Ça, c'est très important. Bon, j'ai du fer et je sais pas où j'ai mis ma table de craft. Je pense que je l'ai encore laissé quelque part. Pas grave. Voilà, la pioche en fer, ça fait plaisir. Bon, j'ai trouvé du fer encore ici. Il y a du fer par là. Bon, j'ai pas mal avancé. J'ai beaucoup de fer. J'ai fabriqué tous les outils en fer. J'ai fabriqué l'armure également. J'ai des fours rapides, ça a vraiment été utile. Voilà, là, on est full fer. Et regarde, j'ai trouvé du diamant ici. Bon, déjà, on est pas mal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du diamant d'abord. En fait, ça va être rapide. Il y a du diamant ici. Je trouve un tout petit peu plus, ça devrait le faire. Et très joli. Très joli. Oh, c'est marrant, ça devrait être comme ça. Très joli biome d'améthyste. Sur la zone d'améthyste comme ça. Très classe. Bon, l'améthyste aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mais t'inquiète pas, il y aura d'autres occasions. T'en fais pas. Alors, c'est bon. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est du diamant, s'il vous plaît, le jeu. Du diamant, ça peut être il. Comme ça, on a le diamant qu'il faut, tu vois. On anticipe la recette. En fait, je trouve que c'est mieux de trouver du diamant et après, on va en extérieur, tu vois. C'est plus logique. Bon, le fer, j'en ai plein. Hein. Le fer, j'en ai plein. Bon, j'en prends encore un petit peu, mais j'en ai déjà beaucoup. Voilà, parfait. Ok, j'ai encore du diamant ici. Bon, c'est toujours des diamants solitaires. C'est marrant, ça. Salut, est-ce que. Ah, ouais, j'allais dire, est-ce que tu peux nous toucher avec ton arc? Et oui, mais c'est le seul mob qui peut nous attaquer, je crois. Parce que le reste, ils arrivent pas, en fait. On est trop petit. La hitbox marche pas. Ah, bah voilà, c'est ce que j'appelle du diamant. Ah, t'as vu les mobs géants comme ça, c'est déjà très drôle, hein. Bon, on a assez de diamants, je pense, pour la recette. Tu sais quoi, regarde, on va fabriquer cette part là. Voilà, Bayon Chunks. Et là, alors, est-ce qu'on a la recette ou ça bug encore? Ah, c'est bon, on a la recette finale. Non, là, c'est bon, la recette. Ok, super. Salut, zombie. Ah, j'ai jeté mon épée sans faire exprès. En fait, y a un truc qui n'a aucun sens. Faut fabriquer la recette pour l'avoir. Là, tu vois, j'ai fabriqué. Donc là, ça met la recette du truc qu'on vient de fabriquer. Et moi, je veux la recette suivante. Ok, c'est bon, j'ai la recette suivante. Moi, bon, je suis allé voir la recette, en fait. Et encore une table craft. Ah, pour une fois, je l'avais laissé. Alors, la recette suivante, c'est mettre ça ici. Donc là, c'est l'arme ultime. Mais attention. Hop, et du diamant. Donc là, regarde. Tada! Mega Giant Machine. Alors, ça sert à quoi? À quoi sert cette machine dont je te parle depuis le début de la vidéo, hein? Bah oui. Bah regarde, je la prends en main, regarde, clic droit, boum, one shot, tire, boum, one shot. Donc là tu vois, nous avons un arc qui tire en ligne droite, d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué. Et tu regardes là, l'arc tire directement droit où je vise. Tu vois, il n'y a pas de comme un arc, une espèce de trajectoire courbe, c'est direct. Hop, un tir, un mort, un tir, un mort, un tir, un mort. C'est du one shot, ça one shot tous les mobs du jeu. Et c'est ça qu'on veut tester justement, déjà on va aller en extérieur. Mais surtout c'est ça qu'on veut tester sur le dragon, bah oui.
Bah oui, le dragon, El Famoso Dragon. Bah justement, on veut voir si ça fonctionne sur le dragon, tu vois. C'est pour ça. Tiens, boum, one shot. Hop, one shot. Bon là du coup, les retours en extérieur la nuit, juste pour que tu vois un petit peu les mobs. Bon déjà, regarde, là-bas, les poules, t'as vu? Voilà, regarde, là tu vois bien, t'as vu? Bon, c'est plutôt rigolo. Maintenant, on va trouver un village quand même. Ok, voici un village, alors le golem, boum. Ah, le golem, ça one shot pas. Ah, ça veut donc dire que l'Under Dragon ne sera pas one shot également. Bon, après, c'était facile de tuer le golem. Ah, merci pour l'orbe. Alors du coup, voici un village, alors... Ouais, c'est pas un grand village. Mais bon, après, c'est rigolo avec les villageois comme ça. C'est assez rigolo. Salut. Ah oh, non, mais c'est stylé quand même. Hein. C'est quand même stylé. Bon, on sait maintenant que ça va pas one shot l'Under Dragon parce qu'en fait, on a vu sur le golem que ça n'a pas one shot. Bon, le golem, ça a beaucoup de vie, mais quand même. Bon, le portail de l'End, il est temps de relever le défi. Bon, j'ai préparé un arc quand même, hein, au cas où, parce que c'est puissant, mais pas si puissant que ça. Il y avait une enclume, donc j'ai réussi à mettre des enchantements dessus. Donc c'est pas trop mal comme arc. Allez, on y va. Bon, nous voici dans l'End. Est-ce que le dragon est géant aussi? Ah, ça c'est une bonne question. Ça serait très très drôle. Mais je pense que oui, hein. Ok, tu sais quoi? C'est parti. Alors les Endermen sont bel et bien géants, en effet. Est-ce que le dragon est géant? Déjà, on va tester notre arme. Oui. Regarde. Oh là là, regarde! Alors, ouais, ça fait, ça va, hein. Ça va. Tu vois? C'est ok. C'est ok, genre c'est pas incroyable, c'est ok. Ok, c'est bon. J'ai cassé tous les healers, maintenant c'est parti, go fight. Hey, ça va en vrai les dégâts là, ça va hein. Franchement, il y a moyen hein. Alors attention à ça. En fait, comme le dragon est géant, c'est beaucoup plus facile de tirer. Est-ce que c'est plus puissant que mon arc ou pas? Voyons voir l'arc comme ça. Ouais, c'est pas mal. En vrai, il y a moyen qu'on le tue avec ça hein, sans utiliser l'arc. Hein. Ok, première fois qu'on fight le dragon en version géant. Très très drôle. Très facile surtout parce qu'en fait, comme le dragon est grand, bah c'est très facile de tirer en fait, tu vois. Regarde. Ah, c'est pas tous les jours qu'on fait ça dans Minecraft hein. Ok, tu vas mourir, dragon. Ok, victoire. Magnifique. Tiens, le son est bugué. Ah voilà, le son remarche. Ok, merci pour l'XP. C'est une belle victoire. D'ailleurs, attends, on avait jamais tué l'Enderman. Ah, mais ils esquivent les flèches normalement, c'est ça? Ouais. On va fight un Enderman à l'ancienne, genre comme ça. Ok, meurs, c'est bon. Ouais, ça va, c'est. Le principe ne change pas trop finalement. Ok, nice. Ah, j'ai laissé de l'XP ici. Oui, c'est la masse XP de tuer le dragon, cas où tu ne savais pas. Donc, tu n'hésites pas. N'hésite pas, hein. Ah, encore un Enderman qui veut fight. Très bien. Voilà, tu es mort. Ok, on passe au générique et on va respawn. Voilà, parfait. Bon, bah, du coup, c'était tout simplement Minecraft. Mais les mobs sont géants, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche. C'est très important. Très très important, n'hésite pas à rejoindre mon TikTok, c'est dispo en description, n'hésite pas à me rejoindre, ça me fait plaisir. Et surtout qu'il y a plein de TikTok, il y a un TikTok par jour, donc n'hésite pas à venir voir, ça me fait toujours plaisir. Très très important, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche là maintenant à l'écran. Tu as deux mifs à l'écran, clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. À toutes.